Nana. Hélène Ripley avec son... Alors j'ai du mal, c'est Caterpillar 500, je ne sais même plus, j'ai du mal avec le nom. C'est statue Ripley Power Loader, statue Alien Ripley, cinéma couleur réel, Caterpillar Alien Power, avec des vrais câbles, 12 coches, parce que ça veut dire, bon, made in Italy, donc ça vient d'Italie. Et d'ailleurs, je vous ai déjà montré une fois le T-1000, c'est eux qui l'ont fait aussi, j'ai montré il n'y a pas longtemps, où ils renversent surtout Metallikin, c'était eux aussi. Made in Italy, alors j'ai dû tout assembler, c'est même pas collé, j'ai mis tous les câbles. Alien Ripley, c'est magnifique. Voilà, Alien 2 forcément. En plus c'est une bonne taille, 45 cm. Voilà. Magnifique. Très belle pièce, regardez la taille par rapport... Waouh. Ça tombe bien, j'ai une reine alien là-bas, un fabricant américain. La prochaine fois, j'en ferai une vidéo avec ça, avec la reine alien devant, et je pense que c'est pratiquement la taille. Ça devrait faire la taille par rapport à la reine alien, c'est magnifique. Alors là, j'ai vraiment pas fait exprès. Parce qu'il y avait 25 cm, il y avait 45 cm, j'ai pris 45, c'est 45. Payé en 4 fois, il y avait une promo. Bon, je suis en profité. Fabricant particulier, et en plus, c'est un produit dérivé. Et ce qui est très bien, parce qu'ils font des très belles choses, et c'est magnifique. Et Alien Ripley qui est énervé, voilà. Et la pièce, j'aime bien ce qu'ils m'ont fait user, c'est magnifique. Ça tombe pas. Ah, c'est Ripley numéro 14. J'ai pas, j'ai peur qu'il tombe, petit petit. Attends. Ah ouais, je vais tout avoir la gueule aussi. Là. Voilà. Italie, voilà. Ça, je vais pas le montrer, mais pas, je vais pas faire une photo de ça. Voilà, mais en tout cas, c'est magnifique. Regardez le pli des pantalons. Et dessus, normalement, c'est Nike ou Reebok. Non, c'est Reebok. Et là, ils ont mis Ripley. Les chaussures sur le côté. Ça, c'est marrant, parce que normalement, c'est des chaussures Reebok, je pense. Hein, si je me trompe pas. Je peux pas confondre avec Retour à la Future ou c'est Nike, je sais plus. Ça doit être Reebok. Adidas, je pense pas, mais c'est Reebok, comme ça. Mon film. Là, ils ont mis Ripley. C'est fou, c'est magnifique. Waouh, je vais vous montrer que le portable. C'est juste magnifique. Je pense que ça va faire un peu de bruit parce que c'est beaucoup de gens qui aiment bien ce genre de pièces-là. Alors, j'avais du NECA dans le temps, mais je l'ai revendu. Et j'avais bien raison parce que quand je vois ça, c'est quand même au-dessus. C'est pas le même prix, c'est sûr, mais alors avec les câbles et tout, c'est magnifique. Pièce de fou. Extraordinaire. Ont fait un très bon boulot. Voilà, fabricant italien. J'ai eu un cadeau, ça je l'ai pas ouvert, mais bon, je devine, hein. Ça c'est un petit cadeau qu'ils m'ont donné en plus. Bon, c'est magnifique. Plus bon, ça c'est un coupon, je sais pas quoi. Bon, voilà, ça aussi, je regarde s'il faut qu'il n'y ait pas mon... Non, c'est bon, voilà. La signature, je pense que voilà. Et ça aussi, un petit cadeau, sur de truc de porte-clés, qui est magnifique aussi, hein, Agnène. Voilà. Avec leur site italien, c'est italien et c'est magnifique. La dernière fois, je vous ai montré Vasquez, c'est espagnol. Et Aranalien, c'est un fabricant américain. Donc c'est bien, ça fait un beau trio. Magnifique. Et c'est que des. En ce moment, c'est que des fabricants particuliers que j'achète. J'achète plus tellement de produits dérivés parce que. Parce que c'est plus cher et puis bon. C'est pas forcément plus beau, ce qui veut rien dire. Parce que souvent, c'est aussi bon, même mieux, à la limite. Allez, je vais vous montrer que le portable, c'est magnifique. Allez, regardez la qualité de fou.
Oh là là là. C'est magnifique. Les sortes de rouilles là, ça j'aime bien que c'était usé là. Magnifique. J'ai rien à dire, c'est très joli. Une replay, elle est vraiment. Franchement, je suis content. C'est magnifique. Oh, puis avec les cheveux en plus. Cartouche, elle va chercher après la petite Newt, la BK. Il y a une petite poupée qui s'appelait Carole. Ouais, bah, je connais tellement par cœur, je vais me sortir un peu encore en 4 couleurs, tu sais, à force. C'est magnifique. Ah, oh, oui, c'est beau tout ça. Waouh! Alors, ce que je vais faire, c'est que je me sors comme ça, sinon ça va pas aller. Regardez-moi ça. Hein. Câble et tout. J'espère que le point fixe s'est déboîté. Mais de toute façon, c'est facile le montage. Le montage est facile. Ça prend pas 3 heures. J'ai peut-être mis une demi-heure, mais bon, au début, eux, ils font 10 minutes sur Rampine. Bon. Et franchement, il est pas compliqué. 20 minutes, hein, je sais pas. Après, tu mets les câbles, t'enfonces. Bon, c'est pas. Voilà. Voilà, misère. Et le soc, ça c'est magnifique. Oui, bien par rapport à ma main, hein, c'est pas un petit truc, hein. 45 cm. Magnifique, je suis bien content. Superbe pièce, je vais faire les photos et puis voilà. Ah, oh, bah écoutez, la prochaine fois je mettrai avec la reine alien, mais ça sera une autre vidéo. Pas pour maintenant. Alors, en tout cas, la pièce est extraordinaire. Allez, je coupe, super boulot. Je vais faire des photos évidemment avec le Blu-ray 4K à côté. Voilà, superbe. Allez, à bientôt. Avec une autre vidéo, toujours le même, avec le même bazar, le Power Loader Caterpillar, là, je crois que c'est ça. 500, avec la Rananienne, un fabricant américain. Voilà, j'essaie de les mettre, alors, sinon je les mettrai par terre, si j'ai pas la place là, à mon avis, ça va être trop petit. Voilà. Allez, à plus. Super.